Menteur et irrespectueux, fera-t-il la joie d'un père? Le monde a besoin de retrouver une relation avec Dieu. Ce monde a besoin d'un sauveur. L'homme a besoin de retrouver une relation avec moi, dit Dieu. L'homme de ce monde recherche un sauveur, selon son goût, selon son esprit d'homme. Le Créateur est un père et il sait ce dont sa créature, l'homme, a besoin. L'enfant de Dieu, l'homme, a compris qu'il est dans le monde pour en jouir et non pour servir Dieu son Père. L'homme ne recherche donc pas l'intérêt de son Père, mais le sien. Question : que ferait un Père de notre monde envers un tel enfant ? Ferait-il tout ce qu'il peut pour le faire jouir davantage, ou bien chercherait-il à lui donner le salaire de son attitude irrespectueuse envers lui ? C'est pourquoi écoutez bien ceci, dit Dieu.
L'homme de ce monde a besoin de retrouver une relation avec son Père, le Créateur de ce monde. Comprenez, il a besoin de se soumettre à lui. Sinon, le châtiment du Père se prépare à frapper l'enfant irrespectueux. En attendant cela, le diable est déjà à l'œuvre selon la volonté du Père. Osée 11, verset 7. Et Dieu dit, « Mon peuple s'est accroché à son apostasie. On les appelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi? Te livrerai-je? Reviens à ton Dieu. » Mais le repentir se cache à mes yeux. Jean 12, verset 27. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » La gloire de Dieu restera une gloire, quoi qu'il arrive. La gloire de l'homme restera une gloire éphémère, tant qu'elle ne se soumettra pas à ma gloire, dit Dieu. Moïse dit aussi, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Exode 33, verset 14. C'est pourquoi je vous le dis, l'homme recevra le sauveur qu'il mérite, car j'accomplirai la justice, dit Dieu. Ce n'est pas l'enfant qui dominera son père dans le royaume de Dieu, mais c'est le père qui assurera la vie à l'enfant bien-aimé. Amen. Un enfant menteur et irrespectueux fera-t-il la joie d'un père? Le monde a besoin de retrouver une relation avec Dieu. Ce monde a besoin d'un sauveur. L'homme de ce monde recherche un sauveur selon son goût. L'homme ne recherche donc pas l'intérêt de son père, mais le sien. Question, que ferait un père de notre monde envers un tel enfant? En lui donner le salaire de son attitude irrespectueuse envers lui. Le Créateur est un Père et il sait ce dont sa créature, l'homme, a besoin. Le châtiment du Père se prépare à frapper l'enfant irrespectueux. C'est pourquoi écoutez bien ceci, dit Dieu. Que ferai-je de toi? Te livrerai-je? Reviens à ton Dieu. En attendant cela, le diable est déjà à l'œuvre selon la volonté du Père. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Je vous le dis, l'homme recevra le sauveur qu'il mérite, car j'accomplirai la justice, dit Dieu. Ce n'est pas l'enfant qui dominera son père dans le royaume de Dieu, mais c'est le père qui assurera la vie à l'enfant bien-aimé. Père, glorifie ton nom.